10 000 journées, 93 000 heures, 33 ans d'épreuves. Plus aucun n'y a cru que moi, se met à l'œuvre. La réalisation d'une vie, d'un seul homme, le palais idéal du facteur cheval, nommé ainsi de par la fonction de son créateur, mort à l'âge de 88 ans. Classé au titre des monuments historiques, le 2 septembre 1969. La particularité de ce monument, c'est d'en faire le tour en 5 minutes. Mais si tu t'arrêtes à tous les détails, les plus petits comme les plus grands, c'est 3 heures de visite qui t'attendent. Le palais est aussi bien un hymne à la nature qu'un mélange très personnel de différents styles architecturaux. Son inspiration, il la puise dans les cartes postales, qui se développent 5 ans avant le début de sa construction. Réalisation en pierre, le palais du facteur cheval mesure 12 mètres de haut et 26 mètres de long. Si tu viens visiter ce monument, prends le temps de regarder, de lire, d'y réfléchir. De nombreux messages lourds de sens y sont inscrits. Ferdinand Cheval ne cesse de choisir des pierres durant sa tournée quotidienne, les portant d'abord dans ses poches, puis se munissant d'un panier, voire d'une brouette à certaines occasions. Revenu à son domicile, il passe de longues heures à la mise en œuvre de son rêve, travaillant de nuit à la lueur d'une lampe à pétrole. En créant ce rocher, j'ai voulu prouver ce que peut la volonté. À la source de la vie, j'ai puisé mon génie. Thank you.
cette balade est terminée. Elle reste encore à ce jour un bon moment de découverte. Je vous dis à la prochaine.